Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de Ark Survival Evolved pour un épisode assez spécial qui sera très court aujourd'hui malheureusement. Mauvaise nouvelle. Vous l'avez déjà vu certainement dans la miniature, il m'est arrivé une triste aventure. J'ai été attaqué par un dinosaure alpha il me semble, je me rappelle plus comment ça s'est déroulé. Je l'ai défendu mais il y a eu un gros problème. Déjà premièrement, vous le voyez, un de mes parasaures de détection qui me servait à protéger ma base a été tué. Ça c'est la première triste nouvelle. Donc alors ça a été très rageant parce qu'il lui restait genre deux de nourriture pour le sauver. Je suis arrivé en courant et tout. Et au moment où je m'apprêtais à lui donner une baie, il est mort devant moi. Et franchement j'ai eu le seum. Ça m'apprendra, il faut vraiment que j'ajoute des mangeoires, c'est très important. Donc on va le faire aujourd'hui. Et mis à part ça, très triste, mais j'ai perdu un de mes spinos. C'est pas le premier spino que j'ai eu, c'est le deuxième le plus fort. Alors comment il est mort, c'est très particulier. Il est mort tout seul, je n'étais même pas à la base. Il est mort tout seul sur les pics parce que j'ai laissé une option qui mettait des dégâts aux dinosaures. Et je l'ai retiré depuis normalement. Mais je suis dégoûté, c'était mon spino chéri, et regardez, c'est archi sad. On voit son œil qui est à moitié entrouvert, c'est le décès. C'est super triste parce que c'était mon meilleur spino, et parce que franchement, ça fait toujours de la peine de perdre un beau dinosaure. Il avait vaillamment défendu la base, il l'avait bien géré et tout. Mon Terizi a réussi à survivre, lui il a rien. Et je vais vous montrer également dans une seconde comment on fait pour désactiver les dégâts des dinosaures apprivoisés sur les pics. Parce que c'est un fléau, il est mort tout seul, j'étais même pas là, mange tes grands morts, sale. Voilà, donc au final ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer déjà pour vérifier que les dégâts soient bien retirés. Je vais prendre un dinosaure aléatoirement, tiens celui-ci, on va le faire sortir devant, il y a des pics partout. Regardez ça, bon il y a des raptors mais on s'en fout. Voilà, il n'y a plus de dégâts sur les pics, donc ils ne risquent absolument plus rien. Maintenant je vais vous montrer la partie paramètres à modifier, c'est juste une petite case mais au moins ça vous permettra peut-être si vous l'avez activé, de le désactiver pour sauver la vie de vos dinosaures. Je suis là pour vous, on va regarder ça. Donc une fois que vous êtes sur l'écran d'accueil, alors je fais jamais de tuto mais là ça m'a tellement énervé que je vais le faire. Vous descendez, normalement il y a une case. Je vais la chercher avec vous, permettre la discussion, log admin, comme ça vous voyez en même temps mes paramètres. Je descends lentement, vous pourrez mettre en pause la vidéo si vous avez envie d'avoir les mêmes paramètres que moi sur votre game. Ça vous permettra de tout modifier. Alors je suis en PVE, donc ça me permet d'avoir plus de problèmes avec les cryopodes. J'ai déjà activé la difficulté max, ça c'est pour avoir les niveaux 150 sur la map. Voilà, donc vous voyez tout le reste. Voilà. Ensuite, ça doit être dans avancé, il doit y avoir un paramètre... tribu, entre la guerre, autoriser la construction dans les grottes, ça je l'ai fait, je m'en fous un peu. Et la saisie des dinos volants, c'est très important si vous voulez choper des dinos avec un argent de service comme j'ai fait avec Pipoun. Maladie non permanente si vous voulez pas crever. Je descends rapidement, on va trouver quand même ce paramètre à la con. Voilà, de toute façon vous pouvez mettre la vidéo au ralenti vu que vous avez largement le temps de tout voir dans tous les cas. Ce sont mes paramètres actuels, je ne les change quasiment jamais. Il y a peut-être un ou deux trucs qui sont changés de temps en temps, surtout sur la vitesse de reproduction. Dégâts des défenses sur les dinos sauvages, donc ça je l'ai activé. Mais, il faut pas qu'il y en ait sur mes propres dinos. Donc ça c'est si vous avez envie de faire en sorte que vos murs en pic défendent votre base avec des dégâts face aux dinos sauvages. Normalement c'est ça. Le Friendly Fire nous permet de ne pas prendre de dégâts entre nous et donc ça doit concerner également les pics. Donc je l'ai désactivé le Friendly Fire, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se mettre de dégâts entre nous et que normalement les pics ne mettront pas de dégâts également aux autres dinosaures. Je vous invite à le faire pour pas que vos dinos s'entretuent si jamais il y a un problème ou des capacités spéciales en mode Wyvern qui crache le feu, etc. Et également bah, pour vous défendre de vos propres défenses, ce qui est un petit peu triste, mais on est obligé de le valider, sinon ça ne marche pas. On a fait le tour, on va retourner rapidement sur la game, on va faire... un topo de tout ce qui s'est passé. Bon, nous voilà de retour. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de me séparer des cadavres, premièrement. Il n'y a pas moyen, malheureusement, de les enterrer sur place. Donc, on va être obligé de les détruire. Je vais également jeter toutes les viandes de mes dinosaures. Comme ça, on va considérer que je ne les mange pas. Les viandes et les peaux, parce que c'est leur peau à eux. Ah, c'est tellement triste de devoir faire ça, mais il n'y a pas le choix, les amis. Je vais récupérer sa selle. Hop. Ah, elle n'était pas renommée, donc la pauvre pépette, on va lui faire une tombe quand même, on va leur faire une tombe à eux deux. Je retire le cadavre. Ah,
Ah, c'est tellement triste d'avoir à faire ça. Vraiment, ça me rend trop triste. Je vais jeter toutes les viandes, hein, comme je l'ai dit, comme ça, toutes les viandes et les pots, histoire de dire on ne mange à rien de nos dinos. Viande, hop, je balance tout. Pot, hop, je balance tout. Voilà, j'ai tout jeté parce que franchement, ça laisse un petit sac ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est deux tombes qui ne seront pas nommées. Mais c'est pas grave, normalement j'ai un engramme quelque part, c'est ça, voilà. Il me manque du ciment et de la pierre. Alors niveau ciment j'en ai plein. Maintenant est-ce qu'il me reste de la pierre? Si, oui. Alors, deux tombes. Je vous conseille de le faire, hein. C'est un petit honneur, un petit hommage pour vos dinosaures perdus qui ont été tués au combat ou avec, je sais pas, un accident comme chez nous. Je vais mettre une tombe à l'emplacement de mon ancien parasaur. J'ai pas de nom pour ces dinosaures, c'est ça qui est un petit peu dommage. On les a pas renommés avant. Il n'y avait pas ils avaient pas de surnom, il n'y avait rien. Donc du coup, je leur mets juste une tombe. Aux emplacements où ils sont décédés, je vais en mettre une ici aussi, mais plutôt à l'intérieur. Qu'on se rappelle et que la tombe soit pas cassée. Je remettrai les murs en pique plus tard. Pour l'instant, je vais laisser ouvert pendant un petit moment parce que ça me stresse. Et ce qu'on va faire, surtout, c'est des mangeoires. Parce que c'est super important d'avoir des mangeoires, on l'a vu là, en l'occurrence, les pauvres dinos sont morts. J'avais une mangeoire ici à l'intérieur, mais j'en avais pas à l'extérieur. Et le parasaur aurait pu survivre si on avait une un peu plus loin, donc je vais en faire une autre. Bois, branchage, fibre, métal. Alors, est-ce qu'il me reste du métal là-dedans? Il m'en reste un, va falloir que j'aille en chercher, je pense. La fibre et le bois, est-ce qu'il m'en reste? Il me reste des branchages. Bon, on va aller chercher tout ça. Je récupère le métal à la va-vite, j'en aurais pas besoin de trop, donc de toute façon c'est pas dérangeant, je le récupère ici sur les gros cailloux. Voilà, est-ce que j'en ai assez là déjà? Non, il m'en manque 3, on continue. Ok, on a assez de métal, il nous manque juste du bois et de la fibre. Ok, c'est bon, on a fait une mangeoire, on va la déposer juste à côté, comme ça, ça nous permettra de protéger la sortie ici, et de leur permettre de se nourrir en continu, en dehors de, bah, quand je passe, quand même, parce qu'ils ont rien à manger, c'est long. C'est un peu triste. Je vais mettre la mangeoire par là, juste là, normalement ça devrait couvrir une grande zone. Voilà, elle est là. D'ailleurs, petite astuce, je sais pas si vous vous rappelez, mais vous pouvez faire ceci. Afficher la zone visible pour voir jusqu'à où ça s'étend et jusqu'à où les dinosaures peuvent manger. C'est-à-dire que là, mon Rex qui est à l'autre côté, qui est de l'autre côté, il peut manger dans la mangeoire, donc c'est super pratique. Mais bon, il lui reste beaucoup de nourriture, donc c'est pas un souci. Et là, c'est surtout pour mon Thérésie qui continue de s'occuper de l'extérieur. Qui va pouvoir, je vais l'attirer ici dans le cercle de la mangeoire. Voilà, qui va pouvoir se nourrir grâce à la mangeoire. Faut juste que je mette de la bouffe dedans parce que sinon il va manger rien du tout. Hop, vous voyez, est-ce que ça descend? Ça descend pas. Il a pas faim? Ah bah non, bah en fait il lui reste déjà pas mal de bouffe. Bon bah tant mieux, écoute. Je vais mettre le reste à l'intérieur de la mangeoire, comme ça, ça diminue pas trop vite. Également comme dans les inventaires et ça lui permettra de manger. Voilà ce que j'aurais dû faire. Je suis vraiment dégoûté d'avoir perdu ces deux dinosaures, le parasaur et surtout le spino qui était mon meilleur dino carnivore. Ce qui veut dire qu'on va devoir en retrouver un autre. Alors je préviens, c'était pas le premier spino que j'ai eu, qui est toujours ici, qui est d'un petit level par contre. À qui on va remettre la selle du coup, de l'ancien. Voilà, tu peux récupérer la selle, puisque maintenant t'es le seul spino de la base. Oh non, il nous manque une mangeoire ici aussi. Bon bah je l'ai fait, attends. Il n'y a pas de mangeoire ici? Oh là là. Voilà, il me restait en fait plein de métal. J'avais laissé dans la forge, donc au moins je le fais immédiatement. On va poser une forge, enfin une forge, n'importe quoi. On va poser du coup une petite mangeoire ici aussi pour leur permettre de se nourrir tout le temps. Voilà, on va voir tout de suite si d'ailleurs il y en a qui n'ont pas à bouffer. Est-ce que t'as de la viande toi? Non. Par exemple, regardez, il y a plein de dinos là qui doivent être en train de crever la dalle. Donc putain, mais ils ont des ressources et tout, faut que je trie, ils ont plein de trucs dans leur inventaire. Qu'il y a de la nourriture? T'as de la nourriture, trouillarde? 35, putain, tous les cristaux qu'elle a. Faut vraiment que je fasse un tri, hein. J'ai beaucoup, beaucoup de ressources. Je vais déposer du coup dans la mangeoire là-bas. Il y a une autre mangeoire ici. Il va falloir que je remplisse toutes les mangeoires. Ça, je le ferai en hors-cam, c'est pas un souci. Regardez, ça va se vider tout de suite si jamais il y a des herbivores qui ont faim. Ouais, vous voyez? Ce stégosaure tech, il était en train d'attendre de manger. Et le problème, c'est que ça descend en continu dès que tu allumes ta partie. Bon, je suis pas sur un serveur, donc ça va. Mais dès que j'allume ma game, tout le monde commence à avoir les crocs. Est-ce que Sniffer a de la bouffouille? Bah, Sniffer partage un peu, espèce d'égoïste. Hop, voilà. Regardez, ils sont tous en train de becquer. Regardez-moi ça!
Lui, il a mangé, le Rex a mangé. Ils sont tous en train de becter, en fait. Ils étaient en train de crever la dalle chez moi. C'est une catastrophe. À part lui, à la limite. À qui il restait un petit peu de nourriture. Mais les Rex, pareil, voilà, il avait rien en bouffe. Catastrophe. Tiens, je te fais prendre des levels. Bon, bah, du coup, c'est lui qui devient mon dino le plus puissant. Hein, parce que, étant donné que j'ai perdu mon autre Spino, faudra qu'on en cherche un autre. Hein. C'est bien chiant. On va les laisser là, mon petit couple. Les amis, nous allons finalement nous arrêter là. J'avais dit que ça serait un épisode très court. Je vais vous teaser un petit peu ce qui vient dans le prochain épisode d'abord. Mais juste avant ça, je vous invite à checker les réseaux sociaux. J'ai pas pensé à en parler aujourd'hui. Ils vont être affichés à l'écran très vite. Là, Jesper-First, un peu partout. Instagram, Twitch, je suis en live tous les jours, sauf le vendredi à 18h, donc tous les jours. Je vous invite à me rejoindre. C'est très très important pour moi et ça me permet d'évoluer sur les réseaux. Et pour le reste, vous connaissez déjà la chanson. Utip, si jamais vous avez envie de faire un don, prenez un VIP ici aussi ou sur Twitch, comme vous voulez. Et mon livre est en précommande. Le lien est dans la description. Voilà, voilà. Bref, dans le prochain épisode de Ark, on fera un voyage à l'autre bout de l'île. Regardez-moi cette belle petite map. Il serait temps d'aller tout en haut, mais vraiment, et d'essayer de tame une petite créature, toute petite, hein. Pas très large, qu'on appelle les nœuds. Je vais pas en dire plus. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu es encore là, tu es une abonnée de qualité. Je t'invite à liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Mettre un commentaire, même prout si tu veux, je réponds à tout le monde. Puis à très bientôt pour la suite de mes aventures. C'était Jesper en direct de Ark Survival Evolved pour une triste nouvelle, mais vous inquiétez pas. Il y aura de meilleures nouvelles la prochaine fois. On ira faire une petite expédition dans le froid. Bisous tout le monde.